sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM pour les militaires. Skyrock PLM, sur terre, sur mer, comme dans les airs. Heureux de vous retrouver sur Skyrock PLM pour parler de ce que j'ai dans la main maintenant. Regardez, ma première cérémonie militaire. On en a déjà parlé, rappelez-vous, c'était le 2 octobre dernier. On va revenir dessus avec trois invités que j'ai aujourd'hui avec moi. Tout d'abord, Madame Isabelle Lecointre, bienvenue à Skyrock PLM, bienvenue chez vous au final. Merci Aymeric. Un plaisir de vous retrouver. Monsieur Hubert Maury également, bienvenue. Merci Aymeric. Et le président Marc Leclerc, le président du Néo, avec qui on a fait une émission il y a quelques semaines maintenant, qui s'est très bien passé. Comment allez-vous? Bonjour Aymeric, ça va super. Vous n'avez pas, pas envie de faire une émission sur Skyrock PLM bientôt? Ça vous donne un petit goût ou pas? Oui, on va y réfléchir. Et bonjour Isabelle, bonjour Hubert. Le 2 octobre dernier, j'avais l'occasion de vous recevoir pour la première fois pour parler de cet ouvrage. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, rappelons un petit peu à nos auditeurs de quoi parle ma première cérémonie militaire et pourquoi il est si important, pourquoi il est si utile. Ma première cérémonie militaire, c'est une explication de la prise d'armes. Toute simple, factuelle. Que se passe-t-il? Et c'est une explication à trois voies. Il y a un premier niveau qui est pour les petits-enfants, un second niveau pour les enfants qui apprennent à lire, je dirais du 7-8 ans, et un niveau pour les parents qui veulent lire aussi et comprendre un petit peu ce qui se passe au-delà des gestes et au-delà des rites. Quelle est la signification des rites de la prise d'armes? Donc on en a fait imprimer 80 000 exemplaires qu'on a distribués en septembre, et on s'est rendu compte extrêmement vite que ça ne suffirait pas et qu'il en manquait 150 000 exemplaires. C'est beaucoup. C'est beaucoup, donc on s'est dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Et c'était au moment, on était vraiment mi-octobre, du drame de Samuel Paty. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être aussi répondre à une question que nous posaient les mairies, parce que les municipalités nous en demandaient, mais aussi les écoles qui étaient dans cette attente-là, de mieux comprendre aussi quel était l'esprit d'une cérémonie nationale. Et donc, on a pensé au 11 novembre, et on a voulu expliquer le 11 novembre et le 14 juillet, parce que c'est quand même la fête, le 14 juillet. Et donc, la deuxième édition reprend la prise d'armes complètement, est enrichie du 11 novembre et d'une double page sur le 14 juillet. Ce que vous m'expliquez la dernière fois en plus, c'est que c'était important aussi pour vous de pouvoir avoir finalement la totalité des explications de ce que pouvait signifier aussi une cérémonie militaire. Absolument, je dois dire que ça m'est arrivé encore plus, je dirais, au 11 novembre où j'ai encore compris plus de choses. Et en particulier, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'était de relire complètement la Marseillaise. Ouais. Alors, on a décidé finalement de mettre le premier couplet que tout le monde connaît. Et puis j'ai lu tous les autres couplets qui sont très violents. Et le dernier couplet qui a été écrit, je dirais, une vingtaine d'années, je crois, par un chanoine, et qui est le couplet dit des enfants, qui est un peu plus doux, mais qui reprend des choses importantes. Et en particulier, le respect qu'on doit aux anciens. Et c'est tellement dans l'idée du 11 novembre, ce respect des anciens et de ce qu'ils ont fait pour que la France soit la France, unie autour de son histoire. Et donc j'ai vraiment tenu à mettre ce dernier couplet, même s'il prend quand même beaucoup de place. Hubert Maury, vous faites l'illustration de ma première cérémonie militaire. En quoi c'est différent, sur le plan de la pédagogie justement, d'être sur un tel projet qui en plus est utile, on le voit, on parlait de 150 000 exemplaires en plus encore cette année et qui prend de l'ampleur? Pour moi la différence c'est qu'effectivement avant on était entièrement dans la cérémonie militaire, c'est-à-dire qu'on était entre militaires, et avec la nouvelle édition on se retrouve avec des civils, avec les élus, et on n'est plus typiquement dans la prise d'armes, donc qui est purement militaire, on est plutôt dans la cérémonie nationale. Et c'est en ça que c'est différent. C'est-à-dire qu'on a intégré en fait les civils à la cérémonie militaire, on a intégré les fêtes nationales aux cérémonies militaires. Et d'où est venue alors la demande? On parlait tout à l'heure du niveau éducation aussi, ça c'est important, des professeurs qui vous ont parlé, qui se sont adressés à vous. Alors la demande est venue évidemment des militaires et des régiments qui en ont demandé beaucoup plus que ce qu'on pouvait leur en donner de la première édition. Et puis effectivement, les municipalités, les écoles sont venues nous en demander aussi parce que c'était la première édition a été publiée avant le 11 novembre, donc ça c'est arrivé. Et puis, alors donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on l'organisait de façon un peu différente le 11 novembre. Au lieu de faire intervenir une maman qui va voir avec son enfant une prise d'armes, on a fait intervenir une maman qui va avec son enfant voir la grande sœur assister à la prise d'armes, dans laquelle l'aînée de la famille intervient au sein de son école. Donc vraiment, on essaye d'inclure là-dedans, en plus, l'éducation, l'apprentissage et les écoles. Voilà, on a répondu à une demande, vraiment.
qu'il y a une partie, par exemple, quand on regarde un petit peu l'ouvrage, dont vous êtes particulièrement fier, ou une partie qui a été un petit peu plus délicate ou plus difficile à mettre sur papier, pour l'une comme pour l'autre? Pour moi, c'est essentiellement la Marseillaise, quand même. Ouais. Relire tous les couplets de la Marseillaise, je vous promets que c'est... Je ne veux pas dire que c'est une épreuve, mais enfin, c'est quand même, on n'est plus dans le même monde. Oui, ouais. Ouais, en décantant, on voit un petit peu que c'était particulier. Je trouve qu'on a évolué dans le monde, dans le bon sens, et qu'on est quand même moins va-t-en-guerre qu'on l'était. Et pour vous, Hubert? Pour moi, la plus grande difficulté, c'était de réaliser le dessin sur le 14 juillet, parce qu'il fallait représenter sur un panoramique le boulevard des Champs-Élysées, les trois armées. Alors, comment représenter les marins sur un... sur Terre. Ouais. Donc, je les ai fait en spectateur. La patrouille de France pour l'armée de l'air. Et pour l'armée de terre, c'est Saint-Cyr. Donc, tout cela est assez emblématique. Effectivement, la patrouille de France, Saint-Cyr. Et puis, j'ai quand même mis les marins au premier plan parce que je trouvais qu'on les avait un petit peu négligés du fait qu'ils n'étaient pas dans leur bateau. Je tiens à dire à quel point c'est quand même hyper utile, très important, très pédagogue également de pouvoir lire ma première cérémonie militaire. Là, c'est l'édition augmentée. Alors, on en parlait. Je sais qu'il est difficile pour certains de se le procurer, mais c'est quand même possible, Madame Lecointre. Oui, je crois que tous les militaires qui en veulent peuvent demander à leur chef. Il y en a normalement énormément, parce qu'il y en a 150 000 en France et dans les régiments. Donc je pense que c'est facile à demander et normalement ça devrait arriver tranquillement partout. Évidemment, on en parlera sur Skyrock PLM. Ouais. C'était, vous savez, c'est les 2 ans de Skyrock PLM, c'est important de vous accompagner et cet ouvrage, il tombe à pic. Et il y a quelque chose quand même que je voudrais rajouter. Bien sûr. Dans le 14 juillet, parce qu'Hubert en parle, j'ai été extrêmement contente de faire prendre conscience aux Français que le 14 juillet, c'était aussi l'occasion pour les Français de remercier les militaires pour ce qu'ils font. Ouais. Et ça, j'y tenais absolument. C'est pas qu'une représentation militaire. Ce ne sont pas que les militaires qui défilent pour leur faire plaisir. Non, ce n'est pas vrai. C'est l'occasion pour la nation de les remercier de ce qu'ils font et de leur engagement, qui est quand même un engagement fort et dont on parle tout le long du livret avant, quand on parle des plis du drapeau et du nom des batailles, quand on parle de ces militaires qui partent loin et longtemps, toujours disponibles, pour aller se battre au nom de la nation. C'est vraiment essentiel. Et donc le 14 juillet, c'est l'occasion pour tous, pour tous les Français et chaque Français, d'aller voir les militaires et de leur dire merci. L'illustration, ça permet aussi de les humaniser ? Oui, l'illustration. Enfin, ça permet de l'humaniser en même temps d'avoir une sorte de d'image symbolique parce que c'est pas des photos, donc c'est pas des êtres humains, c'est des dessins, ça reste... Enfin, chacun peut se reconnaître en fin de compte dans un dessin, même si c'est pas parce que les traits sont très simplifiés, etc. Mais ça permet effectivement d'humaniser les soldats dans des situations qui sont plutôt, à mon sens, plutôt joyeuse, parce qu'une cérémonie militaire, quand bien même elle va fêter quelque chose de grave ou remettre des décorations à l'issue d'un combat dur, etc., ça reste quand même une fête. Donc je pense que l'humanisation est également présente déjà dans les prises d'armes, avant même qu'on les dessine. Et on parle de ma première cérémonie militaire en compagnie également de Monsieur Marc Leclerc, le président du Néo. Bienvenue à Skyrock PLM, comment allez-vous? Ça va très très bien, Émeric, depuis la dernière fois qu'on s'est vu dans ce studio, tout va bien. Cet été, ça fait donc 2 ans que Skyrock PLM a démarré. Depuis le début, vous êtes à nos côtés, je tenais vraiment à vous remercier. Absolument. On était partenaire de Skyrock PLM depuis le début et on est très heureux de vous accompagner dans cette aventure. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous avez devant vous cet ouvrage-là, ma première cérémonie militaire, ce beau projet mené par Madame Isabelle Lecointre et Monsieur Hubert Maury? Ah bah, tout est dit. Un beau projet. Alors nous, on n'hésite pas à soutenir des initiatives, mais pas toutes. En fait, il faut qu'elles nous parlent, quelque part. Bon, vous le savez, UNEO, mutuelle de militaires, pour des militaires, créée par des militaires. Un million de personnes protégées, et ce million de personnes protégées, ce sont des militaires, des familles de militaires, et puis des gens qui sont dans la communauté défense. Donc oui, on a été emballés immédiatement par ce projet, ça nous a parlé tout de suite. Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y a du lien armée-nation derrière ça. Finalement, tout ce qui est en lien avec Armée Nation, UNEO le soutient tout à fait facilement. Et puis, il y a le côté famille, le côté lien avec le plan famille. Sans faire un historique de la mutualité militaire, elle a commencé avec cette question. La base arrière, les familles, c'est important, la veuve, l'orphelin, etc. Donc, le fait que ça parle aux enfants, aux jeunes, qui comprennent un petit peu ce que font mieux leurs parents, la symbolique et tout ça. Et puis, dernier thème, on avait appelé notre émission début d'année Frères d'Armes, Fraternité d'Armes. Oui. Je crois que vous vous en souvenez, Émeric. Bien sûr. Et donc, c'est aussi une façon de la voir sous un certain angle, cette fraternité qui réunit des gens qui, sous le drapeau, et ce drapeau est une des symboliques qu'on met en avant dans ces cérémonies, c'est très important. Et je crois que c'est donner à voir et à comprendre
C'est un très très beau projet. Alors je sais qu'en parlant de très beaux projets, il y en a un aussi dont on a parlé un petit peu. Il s'agit du hashtag, on peut le dire, Madame Lecointre. Mot dièse ou hashtag, tel est le débat. Le hashtag militaire, qu'est-ce c'est que... radio musicale, on peut dire dièse. On peut dire bien sûr. Dièse, très bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de hashtag militaire? Hashtag militaire qui devrait être imprimé d'ici décembre au plus tard. Mmh. Son vrai nom, c'est hashtag militaire pourquoi faire ou dièse militaire pourquoi faire. Ça explique vraiment pourquoi une armée, que fait l'armée, qui sont les militaires. Ça parle aussi de la singularité militaire. Jusqu'où doit-on aller quand on est militaire? Quelles sont les contraintes et les obligations intellectuelles et physiques que ça représente d'être militaire. Et pour terminer sur ce sujet qui est important, c'est qu'est-ce que c'est que la vocation militaire? Je vous avoue que moi, même si j'ai épousé un militaire, je ne comprends pas toujours la vocation. Mmh. C'était sans doute parce que j'avais besoin de répondre à cette question-là qu'on a travaillé à trois pour que j'y réponde. Et je me suis dit que j'étais sans doute pas la seule qui avait besoin de comprendre. Et j'ai un peu mieux compris ce que c'était que ce sens du service jusqu'au sacrifice ultime, si on le demande. Mais aussi cette fraternité d'âme, d'armes et ce monde qui est à la fois un monde à part et tellement soucieux de la nation et de la liberté et de ces trois mots qui sont la France, liberté, égalité, fraternité. Voilà, j'avais besoin de comprendre. Donc normalement, il devrait y en avoir un peu moins que ma première cérémonie militaire, mais il y en aura sans doute quand même dans les unités. Donc hashtag militaire, ça c'est un futur projet. C'est intéressant parce qu'on sent chez vous cette vocation de vouloir vraiment comprendre, avoir des réponses à ces questions qui peuvent rester floues pour certains, pour ceux qui accompagnent les militaires, pour les familles, pour les proches. C'est vraiment important pour vous? Ah bah oui, c'est essentiel. Mmh. Enfin, voilà, j'ai besoin de comprendre le monde qui est en face de moi. Il se trouve que le monde est plus que jamais celui qui est en face de moi et qui était en face de moi encore plus que jamais de ces quatre dernières années. C'est vraiment le monde militaire, ça. Faut que je le soutienne, mon mari. C'est important, c'est important. Et puis évidemment, tous ceux qui sont en train de nous écouter, je et pense que ça a un écho. J'essaie d'adhérer quand même, évidemment. Donc j'adhère. Marc Leclerc, je vous laisse donner le dernier mot de cette émission spéciale. On a pu parler évidemment longuement de ma première cérémonie militaire. Je vous rappelle que c'est l'édition augmentée. On parlera bientôt ici, encore une fois sur Skyrock PLM, de hashtag militaire. Et vous, Marc Leclerc, quels sont les projets pour UNEO? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, prochains mois, même si on va suivre ça de très près évidemment sur Skyrock PLM? Bon, pour les prochains mois et puis les prochaines années, de ça, bah, nous, ce qu'on souhaite le plus, bien sûr, c'est pouvoir. Isabelle l'a très bien dit, on est convaincu que c'est une communauté singulière et qui doit le rester, c'est un statut singulier et qui doit le rester. On doit créer ce lien armée-nation, nos citoyens doivent comprendre à quoi ça sert l'armée et les militaires. Et au-delà de ça, nous, Mutuelle UNEO, on souhaite pouvoir, dans la durée, continuer à porter notre projet militaire et mutualiste et donc être un peu la base arrière et puis protéger ceux qui nous protègent d'une façon spécifique, adapter leur statut militaire, la protection sociale complémentaire qu'il mérite. La protection, la liberté, l'humanité, la pédagogie. Merci pour toutes ces valeurs défendues aujourd'hui dans cette émission spéciale. Madame Lecointre, Monsieur Maury et Marc Leclerc, président d'UNEO, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission sur Skyrock PLM. Merci. Merci à vous, Émeric. Sur terre, sur mer, comme dans les airs, Skyrock PLM pour les militaires. Skyrock PLM, sur terre, sur mer, comme dans les airs.